know that we are not alone and we need each other. We need to uplift this message of hope around the world, to know that we are one. The body of Christ is one, and together we can hold each other, we can uplift each other, we can support each other, we can encourage each other. How are you? Check, check. Check, check. Keep checking. Deux, trois. En deux, trois. Bonjour. Bonjour. Dankeschön. Merci. Merci beaucoup. It is my privilege and honor to be here tonight in Bienne. C'est un privilège, un honneur pour moi d'être ici à Bienne. In Switzerland. En Suisse. Auschwitz. First of all, did you enjoy the program so far? Premièrement, est-ce que vous avez apprécié le programme jusqu'ici? I want to thank all the organizers and all the sponsors who made this possible. J'aimerais remercier tous les organisateurs et les sponsors qui ont rendu cela possible. If you are part of the team, si vous faites partie de l'équipe, if you are a pastor of Switzerland, si vous êtes pasteur ici en Suisse, if you're on my Serbian, Italian, and French team, si vous faites partie de mon équipe française, serbe ou italienne, or if you were a sponsor, ou si vous êtes un parrain, stand, levez-vous, les sponsors aussi, quick, levez-vous rapidement. Let's thank them. Est-ce qu'on peut leur dire merci? Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. It is my joy to be here with you all tonight. Thank you so much for your prayers. Je suis tellement heureux d'être avec vous ce soir, et puis merci pour vos prières. It is my pleasure to talk about my story and how my faith in God has changed me. Je suis heureux de parler de mon histoire et comment ma foi en Dieu m'a transformé. But really quickly. Mais rapidement. One of the big sponsors, Compassion. Un des grands sponsors, Compassion. They asked me to show you a video. Ils m'ont demandé de vous montrer une vidéo. Of my experience with them in Colombia and South America. De mon expérience avec eux en Colombie, en Amérique du Sud. First of all, I want to tell you who I am, my family, and why we are connected in a little way with Compassion. Et d'abord, j'ai envie de vous expliquer qui je suis avec ma famille et comment est-ce qu'on est connecté avec Compassion. First of all, I think we have some family photos of mine. Je crois qu'on a quelques photos de famille qu'on peut vous montrer. First, my wife. D'abord, mon épouse. Her name is Kanae. Son nom, c'est Kane. She's half Japanese, half Mexican. Elle est moitié japonaise, moitié mexicaine. Japsican. Japsican. And there she is. Voilà. And we've been... We've been married now for 5.5 years. On a été mariés maintenant durant 5 ans et demi. And we have 2 boys. On a 2 garçons. Next photo. Prochaine photo. We have Kiyoshi and Dayan. C'est Kiyoshi et Deok. 4 years and 2 years old. 4 ans et 2 ans. And my wife now is pregnant with twins. Et ma femme est enceinte de jumeaux. The doctors told us that the twins are going to be identical. Le médecin nous a dit que les jumeaux seraient identiques. And we will know in a month if they're boys or girls. Et dans un mois, on saura si c'est des garçons ou des filles. But me and my family also have 3 more kids. Mais moi et ma famille, on a également 3 enfants supplémentaires. Not from other marriages. Pas d'autres mariages, évidemment. But we actually sponsored 3 children. Mais on sponsorise, on parraine
trois enfants. With about $30 US a month. Avec $30 US par mois. We give three children education. On offre l'éducation à ces trois enfants. Food. De la nourriture. Medicine. Des médicaments. And protection. Et de la protection. So we actually have a family now of seven. Alors on a en fait une famille de sept enfants. And I want you to check out this video. Et j'aimerais que vous regardiez attentivement cette vidéo. And I hope you're inspired. Et j'espère que vous soyez inspiré. Maybe you've thought one day to sponsor someone else. Peut-être que toi aussi tu as pensé parrainer quelqu'un d'autre. It's not just about sponsoring somebody. Il s'agit pas seulement de parrainer. It's about your children writing to those kids as well. Il s'agit aussi de tes enfants qui écrivent des lettres à ses enfants. Compassion is a faith-based ministry. Compassion est une organisation qui est basée sur la foi. So please watch this. Alors regardez cela. Thank you. Merci. Seeing what compassion does around the world, to me, is such a God-ordained ministry. It's a commission to the body of Christ to go out and be the love, love in action. And that's why I'm a sponsor. Yo me llamo José Benigno Sunarias. Yo tengo 13 años y yo vengo de La Plata, Huila. Pulling up to Jose's house, it was just amazing seeing his beautiful family lined up ready to receive me. And I looked at Jose, I said, are you Jose? He said, yeah, si, señor. And I gave him a big hug and he hugged me. And I looked him in the eyes and I said, thank you for letting me come. And he said, no, thank you for having this opportunity. And I'm like, I'm the one blessed. I'm the one who's witnessing miracles. I've seen small houses on dirt before, but I've never met a family in such a poor state of need. Their own father hung himself in that house. The first thing anyone would do would be move out of that house. They can't. Can't imagine. Yet the love and the joy they have for God and the desire that they have to make a difference in this city. Compasión a mí me cambió harto la vida porque yo antes me la pasaba en la calle. Cambio que allá me han enseñado los modales y he venido acá. Y pues donde yo no estuviera allá, yo estuviera, que le digamos, en las drogas, en la calle. What do you hope to be? What's your dream? Mi sueño es del primero. Ser un pastor. That's a good dream. God does not give us pain, but what the enemy tried to use for bad, God can turn into good. God is going to honor you. He knows your pain. Él conoce tu dolor. Your sacrifice. Él conoce tu sacrificio. He's going to bless you. Y él te va a bendecir. Just be patient. Solamente sé paciente. Pues le quería regalar esta medalla que yo me gané en jugando fútbol. Te la regalo ahí para que se recuerde de mí. Thank you. Gracias. Gracias por tu amor. Sí, gracias. Okay. And say hi to your sponsors, okay? Abrazo. Yeah. Sí. Simple generous donation is not just a donation. Simple letters are not just letters. Significa como una segunda madre que yo puedo tener. There is a ripple effect that happens as we encourage these kids to be all that they can be. It's exciting to imagine the children that we sponsor through Compassion will come up to us in heaven and line up and look us in the eyes and cry and say, thank you for being my friend. Thank you for helping me believe that this place called heaven is real. And I can't think of a greater blessing than that. Make today count. Sponsor a child through Compassion and be the miracle a child is praying for today.
I've actually visited around 3 or 4 locations around the world of compassion. J'ai en fait visité 3 ou 4 endroits avec compassion dans le monde. I've been in their headquarters in Colorado, USA. J'ai été au siège dans le Colorado. And they really make a difference. Ils font vraiment une différence. If you already sponsor a child, si tu parraines déjà un enfant, great. Super. If you don't, si tu ne le fais pas, maybe tonight is something that you consider doing. Peut-être que ce soir tu peux considérer le faire. Because you could change somebody's life. Parce que tu peux changer la vie de quelqu'un. So actually right now all across this arena, en fait maintenant tout autour de cette arène, there is obviously one thing for me to share my story to inspire your heart and your mind. Il y a certainement l'occasion ici de partager mon histoire pour vous inspirer. But this is a whole new thing of making a difference. Mais ici on arrive dans une autre dimension pour faire une différence. I always talk about how when we don't get a miracle, we can still be a miracle for someone else. Je dis souvent si nous-mêmes on n'obtient pas le miracle qu'on désire, on peut devenir le miracle pour quelqu'un d'autre. And I'd like to give you an opportunity. Et j'aimerais te donner l'opportunité. Only if you can. Seulement si tu peux. Only if you feel led to. Seulement si tu te sens conduit à le faire. To do it tonight. To do it tonight. De le faire ce soir. Si, yes. We have 3 children up here. On a 3 enfants ici. Two from Togo. 2 du Togo. A girl who's 5 years old. Une fille qui a 5 ans. A boy who's 6 years old. Un garçon qui a 6 ans. And then we have Juan, who's 8 years old from Indonesia. Et ensuite on a Juan qui a 8 ans d'Indonésie. These children are waiting for sponsors. Ces 3 enfants attendent un sponsor. And where are the volunteers? I don't see you yet. J'aimerais voir les volontaires. Vous êtes par là? Hold the children up in the air. Est-ce que vous pouvez montrer les enfants, lever les mains avec les enfants, les volontaires? So that people know where you are. Pour que les gens voient où vous vous trouvez. But the first 3 kids up the front, if anybody wants to do these 3 children first, you can. Or put your hand up and a compassion volunteer is going to come straight to you and hand you one of these kids. Si vous désirez parrainer un des 3 enfants qui a été présenté ici sur scène, vous pouvez le faire. Ou alors vous adresser à une personne de compassion pour obtenir aussi personne. As you take this brochure of the child, alors que vous prenez, que vous vous engagez avec cet enfant, don't go home with that. Ne partez pas à la maison avec le dossier. Go visit their booth. Allez visiter leur stand. On your way out. Alors que vous sortez. And register. Et inscrivez-vous. So right now, alors maintenant, I love seeing kids being sponsored. J'aime voir des enfants être parrainés. All around the world. Tout autour du monde. So right now, if you want to be a sponsor, raise your hand and someone's going to give you a child. Si tu veux devenir un parrain ce soir, lève ta main et quelqu'un t'amènera le dossier d'un enfant. If you, there we go. If you see someone raising their hand, si vous voyez quelqu'un lever sa main, just clap. Applaudissez-les. There's one. Il y a une. Two. Deux. 3, 4, 5, 6, 7. Keep your hand up until someone gives you a child. Garde ta main bien levée jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de toi avec un dossier. Come on, let's thank them very much. Est-ce qu'on peut leur dire merci? Come on, they're making a difference. Ils font une différence. Thank you for making a difference. Merci de faire une différence. Put your hand up. Anybody else? Levez vos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Anybody else? You thinking of it? Est-ce que vous réfléchissez à? You need to talk to your boss, your wife. Est-ce que vous devez parler avec votre épouse? There's some people. Là, il y a quelques personnes. Awesome. Génial. Good. Let's clap one more time for them. Thank you so much. Encore une fois. Merci beaucoup. Hey, behind you. Derrière toi. Behind you. There's someone right behind you. Then what one? Good. Il y a quelqu'un derrière toi qui veut encore un dossier. Good, good. You got one? Super. Okay. Est-ce que tu en as eu un? Okay. Good, good. Everyone good? Est-ce que tout le monde est okay? Thank you. Let's thank Compassion for what they do. Est-ce qu'on peut remercier Compassion pour ce qu'ils font? Merci Compassion. Dankeschön Compassion. Merci beaucoup Compassion. It is my joy to start from the very beginning of my story. C'est ma joie de pouvoir commencer avec le début de mon histoire. My parents always told me that I'm beautiful. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais beau. That I'm special. Que je suis spécial. And I didn't want to be special. Et j'avais pas envie d'être spécial. I wanted arms and legs. Je voulais des bras et des jambes. I only have 2 questions for you tonight. J'ai 2 questions pour toi ce soir. It's who are you?
It's who are you? Qui es-tu? And what do you want? Et que veux-tu? It's very, very important to know these two answers. C'est très important de connaître ces deux réponses. Because that tells me about what you think of your value and your purpose. Parce que ça me dit ce que tu penses de ta valeur et de ta destinée. And this life is very interesting. Et cette vie est vraiment intéressante. There are things that we don't know. Il y a des choses qu'on ne sait pas. No one knows why I was born this way. Personne ne sait pourquoi je suis né ainsi. Lady Gaga don't know why I was born this way. Lady Gaga ne sait pas pourquoi je suis né ainsi. And for me in my life, when children came up to me and looked at me, I looked at them and I thought, why do I have less? Et quand je regardais des enfants dans ma vie, je me posais la question, mais pourquoi j'ai moins qu'eux? Sometimes I'd try to play a joke. Parfois j'essayais de faire un peu d'humour. They come up to me and say, what happened? Parfois ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? And I said, cigarettes. Et je leur dis, la cigarette. Don't smoke, kids. Ne fumez pas, les enfants. And that humor has gone with me a little bit far. Et l'humour est même allé plus loin avec moi. And I love meeting people. J'aime beaucoup rencontrer les gens. I don't shake their hands. Je leur donne pas la main. I just hug everyone. Je les embrasse. The scary thing about hugging everyone is that anyone can just pick me up and take me home. Le problème avec quand tout le monde m'embrasse, c'est qu'ils peuvent me prendre et m'amener à la maison. What am I gonna do? Qu'est-ce que je vais faire? Headbutt him, I don't know. Peut-être un coup de tête, je sais pas. So for me, I, you know, had some awkward moments. Vous savez, pour moi, j'ai eu des moments un peu bizarres. And my parents always said, well, just be yourself. Et mes parents m'ont toujours dit, sois toi-même. Maybe say a funny joke. Peut-être raconte un gag. And so the humor really has taken a growth. L'humour a vraiment grandi. And I love freaking people out. Et j'aime faire peur aux gens. I actually in a commercial airline flight. Alors que je me trouvais dans un vol commercial. The pilot was a friend of mine. Le pilote était un de mes amis. We made sure we were on the same flight. On s'est assuré d'être sur le même vol. And we dressed me up as the pilot. Et ils m'ont habillé comme le pilote. With the jacket. Avec la jaquette. The hat. Le chapeau. And it was very early in the morning for the flight. Et c'était vraiment très tôt le matin pour ce vol. So people were walking, they're so, you know, sleepy. Alors vous savez, les gens, ils marchaient, ils étaient fatigués. And then they see me at the door. Et ensuite, ils me voient à la porte. I say, good morning. Et je dis, bonjour. My name is Captain Nick Vujicic. Mon nom, c'est Nick Vujicic. Welcome, Nick, welcome aboard. Bienvenue à bord. We're so excited you're joining us today because we have some new technology. On est tellement heureux que vous nous joigniez à bord parce qu'on a une nouvelle technologie. And they're like, no. Ils disent, no. And they're like, how? Comment? And I'm like, yeah, it's phenomenal. Je leur dis, ouais, c'est en fait phénoménal. And so the children, they were like so excited. Et les enfants, ils sont super excités. So this is so cool. C'est tellement cool. I'm gonna put it on Instagram. Je vais mettre ça sur Instagram. All the parents are freaking out. Tous les parents, ils ont peur. They're like, did you know about this? Ils se disent, hey, tu savais ça? He's like, no, no. Non, 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 non. So everyone's on the plane. Alors tout le monde est sur l'avion. My friend says, come on board. Et puis mon ami dit, rentre. So I walk on the plane just like this. Alors je marche dans l'avion de cette façon. And you look down the aisle and everyone's heads on top of each other. Et dans toute l'allée, les gens, ils penchent la tête et ils me regardent. And I got the microphone and I said this. Et je prends le microphone et je dis la chose suivante. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for boarding so fast. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venu dans l'avion si rapidement. I tell you, some people came to Jesus right there and then. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus juste à ce moment-là. It was very, very funny. C'était vraiment rigolo. Can I tell you one more funny story? Est-ce que je peux vous raconter une histoire rigolote de plus? Before we do that, can we welcome all the people who are watching live stream online right now? Mais juste avant qu'on fasse cela, est-ce qu'on peut accueillir toutes les personnes qui se sont jointes à nous sur le streaming pour nous regarder online? Love you. On vous aime. Hello on the 360. Bonjour. So one day I was in a car at the traffic lights. Alors un jour je me trouvais dans la voiture devant un feu. And this car comes up next to us and this girl's looking at me. Et puis il y a une voiture qui vient et cette fille qui me regarde. So I'm looking at her. Alors je la regarde. She's looking at me. Elle me regarde. I'm looking at her. Je la regarde. Bonjour. Bonjour. So all she sees is my head.
Donc tout ce qu'elle voit, c'est ma tête. This is when I was much younger. C'est quand j'étais bien plus jeune. Imagine all you see is my head. Imagine que tu vois seulement ma tête. You don't see the rest of my body. Tu vois pas le reste de mon corps. I just did this. Et j'ai juste fait la chose suivante. And she thought my head did a 360 degree spin. Et elle a cru que j'ai fait un 360 degrés avec ma tête. And her face was like. Et sa tête, elle était comme ça. It was so good. C'était tellement bon. It's a good one, yeah? Good story? C'est une bonne histoire, n'est-ce pas? My parents told me they loved me, that I was special. Mes parents m'ont dit qu'ils m'aimaient et que j'étais spécial. I understand that their love was very important. Leur amour pour moi était très important. But it couldn't complete me. Mais ça m'a pas rendu complet. I was asking the bigger questions. Je me posais de plus grandes questions. What's my purpose? C'est quoi mon but? Who am I and where am I going when I'm not here? Qui suis-je et où vais-je aller lorsque je ne suis pas ici? And for me, it was very difficult getting bullied at school. Et pour moi, c'était très difficile d'être harcelé à l'école. I attempted suicide at age 10. Quand j'avais 10 ans, j'ai tenté le suicide. Why? Pourquoi? How does someone believe there is no hope? Est-ce que quelqu'un croit qu'il n'y a pas d'espérance? It's very easy. C'est facile d'en It's arriver very là. Easy to be depressed. C'est facile d'être dépressif. Because no one understands you. Parce que personne ne te comprend. How you feel. Comment tu te sens? No one can promise you the future. Personne ne peut te promettre un futur. You see this table? Tu vois cette table? If this is how you start your journey this way, si tu démarres ton voyage de cette façon-là, and this is the way to the truth of your destiny and full potential, et si c'est la route vers la vérité et ton plein potentiel, this is the good path. C'est le bon chemin. This is what happened with Nick Vujicic. C'est ce qui s'est passé avec Nick Vujicic. I'm 34. J'ai 34 ans. I've been on 2,500 planes. J'ai été sur 2,500 vols d'avion. 16 presidents. 16 présidents. 9 governments. 9 gouvernements. Crowds as large as 110,000 people. Et puis, sorry. Crowds as large as 110,000. Sorry. Crowds as large as 110,000. Sorry. Yeah, let me show you. Get a calculator. 110,000. Yeah. People in a crowd, the biggest crowd. La plus grande foule était de 110,000 personnes. Mm-hmm. And then on TV. Et ensuite à la télé. Many, many more people. Beaucoup plus de personnes. I've done 3,000 speeches. J'ai fait plus de 3,000 discours. And my books are in 55 languages. Et mes livres ont été traduits en 55 langues. I'm a husband. Je suis un mari. I'm a father. Un père. I'm an evangelist. Un évangéliste. I am an actor. Un acteur. A singer. Un chanteur. It's crazy. C'est incroyable. The Bible says that God can use the foolish things to confound the wise. La Bible dit que Dieu peut utiliser les choses folles pour confondre les sages. If he can use a man without arms and legs to be his hands and feet, s'il peut utiliser un homme sans bras, sans jambes pour être ses mains et ses pieds, then he can do many things. Alors il peut faire beaucoup de choses. Not just many things, pas seulement beaucoup de choses, but all things. Mais toutes choses. And that's the miraculous God that my dad and mom told me about. Et c'est lui le Dieu miraculeux que mes parents m'ont présenté. So then I said, okay. Alors moi j'ai dit, ok. God, give me arms and legs. Dieu, donne-moi des bras et des jambes. It would be great for God to give me arms and legs. Ce serait génial si Dieu me donnait des bras et des jambes. Wouldn't that be cool if right now the roof opened up and God gave me arms and legs? Ce serait pas génial que le ciel s'ouvre et que Dieu me donne des bras et des jambes? We'd all be here forever. We'd all be here all night. On va pas être ici pour toujours ni toute la nuit. You would tell your friends, you'll never believe what I just saw. Vous leur diriez, mais vous savez pas ce que j'ai vu, à vos amis. And you're right, they won't believe what you just saw. Et c'est la vérité.
ils vous croiraient pas. When God says he has a hope, plan and a future and I prayed for arms and legs, si Dieu dit qu'il a un avenir rempli d'espérance et que moi j'ai prié pour des bras et des jambes, I didn't understand why he wouldn't give it to me. Je ne comprenais pas pourquoi il ne me les donnait pas. Then I doubted his goodness. Alors j'ai commencé à douter de sa bonté. I doubted that he was real. J'ai douté même de son existence. But if something is real, mais si quelque chose est réel, whether you believe it or not doesn't change that it's real. Que tu le crois ou non, ça ne change pas le fait que c'est réel. And so for me in my life, I was very confused. Alors pour moi dans ma vie, j'étais vraiment confus. I was very depressed. J'étais découragé. Because I wanted to go this way. Parce que je voulais poursuivre ce chemin. But then the voices in your head. Mais ensuite ces voix dans ta tête. Oh, you're ugly. Oh, tu es laid. Some of you teenagers think that you need to be more beautiful. Certains des ados, ils pensent que tu dois être un peu plus beau. No, you're beautiful just the way that you are. Non, tu es beau juste comme tu es. Some of you think you need a boyfriend to feel loved. Certains d'entre vous, vous pensez que vous avez besoin d'un copain pour vous sentir aimé. You don't need a boyfriend. Tu n'as pas besoin d'un copain. You need a friend forever. Tu as besoin d'un ami pour toujours. Your best friend. Ton meilleur ami. Sex is not love. Le sexe, ce n'est pas de l'amour. You can sleep with anyone you want, but still not know if they love you. Tu peux dormir avec de nombreuses personnes, mais tu ne sauras jamais s'ils t'aiment vraiment. And as long as you look for a boyfriend, you'll find a boyfriend, but when you look for a husband, you'll find a husband. Aussi longtemps que tu chercheras un petit ami, tu trouveras un petit ami, mais quand tu te mettras à chercher un mari, tu trouveras un mari. Someone who cares for you. Quelqu'un qui se soucie de toi. Who will put you first in their life. Qui va te mettre en premier dans sa vie. I thought to myself that I'm never going to get married. Moi, je me suis dit tout le temps, je ne vais jamais me marier. Did I get married? Yes, I did. Est-ce que je me suis marié? Oui, je me suis marié. Do I have hands to hold her hand? No, but I don't need hands to hold her heart. Est-ce que j'ai des mains pour tenir sa main? Mais non, mais je n'ai pas besoin d'une main pour tenir son cœur. There's differences in what the world thinks and actually what is true. C'est la différence de ce que le monde pense, mais en fait, c'est la vérité. You guys, you don't need to say the F word to be cool. Vous n'avez pas besoin de dire le mot anglais F pour être cool. You don't need big biceps. Vous n'avez pas besoin de gros biceps. My biceps were so big they fell off. Mes biceps étaient tellement gros qu'ils sont tombés finalement. And as I looked at my life, et quand je regardais ma vie, I thought to myself, I'm never going to get a job. Je me regardais et je me suis dit, j'aurai jamais un travail. There's nothing to look forward to. Il n'y a rien pour quoi je puisse me réjouir. Just give up. Abandonne. There is no God. Il n'y a pas de Dieu. There is no heaven. Et il n'y a pas de ciel. There is no hope. Il n'y a pas d'espérance. I am so thankful. Je suis tellement reconnaissant that by the grace of God, que par la grâce de Dieu, I did not go through with the suicide. Que je n'ai pas passé à l'acte avec le suicide. Because I didn't want to leave that pain with my parents. Parce que je ne voulais pas créer cette douleur à mes parents. All I saw were broken pieces. Tout ce que je voyais, c'était des morceaux brisés. And my friend tonight, et mes amis, ce soir, God sent a limbless man to you to tell you that you don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. Et ce soir, Dieu t'a envoyé quelqu'un sans bras et sans jambes pour te dire que tu ne sauras jamais qu'avec des morceaux brisés, Dieu peut faire de belles choses jusqu'à ce que tu donnes ces morceaux brisés à Dieu. God will never shortchange you. Dieu ne va jamais te changer. He maybe doesn't make sense all the time. Peut-être que ça fait pas toujours sens pour but toi. He has blessed me exceedingly abundantly more than I could ever ask, imagine or attain. Mais il m'a béni au-delà de tout ce que je puisse penser ou imaginer ou atteindre par moi-même. I don't need arms and legs. Je n'ai pas besoin de bras et de jambes. What do you need? Qu'est-ce que tu dis? I know that God can give me arms and legs. Je sais que Dieu est capable de me donner des bras et des jambes. Do you want to know how I know? Tu sais comment je sais? Because he healed my back. Parce qu'il a guéri mon dos. I had a medically reported disease in my vertebrae in my spine. J'avais donc un diagnostic médical qui m'a été donné par rapport à une maladie dans les vertèbres dans mon dos. My spine was turning into nothing. Mon dos, ma colonne vertébrale était en train de se disloquer. It was dissolving. C'était en train de se dissolver. And at age 40, I would be then they told me when I was 19 that when I'm 40, I'm going to have metal rods in my back and lay in my bed forever. Alors que j'avais 19 ans, ils m'ont dit qu'à 40 ans, j'aurais des trous dans mon dos et que j'allais être couché pour le restant de mes jours. They couldn't do anything. Ils ne peuvent rien faire. In 2002, I had 3 holes. En 2002, j'avais 3 trous. In 2012, I had 2 holes. En 2012, j'avais plus que 2 trous.
And the doctors looked. Et les médecins ont regardé. They said, that's impossible. Et ils ont dit, c'est impossible. We don't know how that happened. On ne sait pas comment c'est possible. It's impossible, medically speaking. Médicalement, c'est juste impossible. 2014, there was only one hole. 2014, plus qu'un trou. In 2015, no holes en 2015, in my spine. Plus aucun trou dans ma colonne vertébrale. I've seen blind people seeing and deaf people hearing. J'ai vu des aveugles voir et des sourds entendre. And yes, many people have been hurt by church. Je sais que beaucoup de gens ont été blessés par l'église. Many people have been hurt by Christians. Beaucoup de gens ont été blessés par des chrétiens. That's why I'm not a Christian, not because of a church or because of a Christian, but because of Jesus. C'est pour ça que je suis pas chrétien à cause d'une église, mais je suis chrétien à cause de Dieu, and de I Jésus. And I love talking to atheists. Et j'aime parler aux athées. Not because I tell them about the miracles. Pas parce que je leur parle de miracles. But because their eyes open when I tell them that I've seen demons. Mais leurs yeux s'ouvrent quand je leur parle et que je leur dis que j'ai vu des démons. 3 meters tall. 3 mètres de haut. 1.5 meters wide. 1.5 mètres de large. Walking through the wall of my hotel room. Traverser les murs de ma chambre d'hôtel. Leaning over me like this. Et se pencher sur moi de cette façon-là. Where you are paralyzed. Et vous êtes juste paralysé. And he doesn't go until you can actually say the name of Jesus. Et en fait, il ne se passe rien jusqu'à ce que tu dises le nom de Jésus. Atheists believe that science explains everything, but there are real things such as black magic and voodoo, very, very real. Les athées pensent que c'est des signes qui expliquent tout, mais en fait, il existe des choses très réelles comme le vaudou, comme la magie noire. I want to know the truth. I don't want to be a Christian just because my parents were Christian. J'ai envie de savoir la vérité. Je ne veux pas être chrétien juste parce que mes parents étaient chrétiens. I don't want to believe something just because someone tells me to believe. Je veux pas croire quelque chose juste parce que quelqu'un me demande de croire. So I was seeking the truth. Alors je cherchais la vérité. What does it look like? À quoi ça ressemble? Is there a real truth? Est-ce qu'il existe une vérité? You know, some people believe just in positivity. Just be positive. Certaines personnes croient juste dans la positivité. Sois juste positif. I feel like headbutting them in the face. J'ai juste envie de leur donner un coup avec ma tête. And say, just be positive. Et j'ai envie de leur dire, mais sois juste positif. When your son has cancer. Quand ton fils a le cancer. Or your dad has cancer. Ou que ton père a le cancer. If you don't know what happens after this life, how can you be positive? Si tu ne sais pas ce qui se passe après cette vie, comment peux-tu être positif? How does this world satisfy? Comment ce monde peut te satisfaire? Money? L'argent? Drugs? La drogue? Sex? Le sexe? Alcohol? L'alcool? Pornography? La pornographie? Fame? La réputation. Then you live and die. That doesn't make sense. Tu vis et tu meurs, ça fait aucun sens. Who are you? Qui es-tu? And what do you want? Et que veux-tu? What are you most thankful for? Pourquoi tu es reconnaissant? What is your philosophy of hope? Quelle est ta philosophie de l'espérance? Is it real? Est-ce que c'est réel? Is it yours? Est-ce que ça t'appartient? Is it your own? Est-ce que c'est le tien? Do you really believe you have hope? Est-ce que tu crois vraiment que tu as de l'espérance? Or do we only think of it when we go through something terrible? Ou est-ce qu'on y pense seulement quand on traverse des moments difficiles? Let me tell you how this life is on a more humorous level. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble cette vie sur un level un peu plus humoristique. If you're aged 8 to 10, please stand up. Si tu as entre 8 et 10 ans, s'il te plaît, lève-toi. Anyone? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Good. Put your hand up if you're standing. Good. Alors lève ta main si tu es debout. Okay, good. Okay. Good. Put your hand down. Tu peux baisser ta main. Okay. I'm going to ask you a simple question. Je vais te demander une question toute simple. Stand up. Lève-toi. Yeah. I'm going to ask you a question. This is yes and this is no. Je te pose une question simple, c'est oui ou non. So I'm going to ask you a question. Alors je vais te poser une question. That's very, very important. Qui est très importante. It's not tricky. C'est pas un piège. It's very easy. C'est très simple. Have you ever, ever, ever in your life been stressed? Est-ce que tu as déjà une fois dans ta vie été stressé? Yes. Oui. Or no. Ou non. Yes. Oui. Good. Okay. Sit down. Tu peux te rasseoir. I ask 8-year-olds why are they so stressed? Et souvent, je demande aux enfants de 8 ans pourquoi ils sont si stressés. Oh, homework is so hard.
Oh, les devoirs sont tellement difficiles. My brother and my sister, they annoy me every single day. Mon frère, ma sœur, ils m'embêtent tous les jours. My parents don't give me everything I want. Mes parents, ils me donnent pas tout ce que j'ai envie. And my life's so hard. Ma vie est tellement difficile. And I feel sorry for them a little bit. Et je suis un peu désolé pour eux quand même. But then you talk to the 13-year-olds. Et ensuite tu parles à ceux qui ont 13 ans. Now you know what stress is. Mais toi tu sais ce que c'est le stress. Oh, everything around me is changing. Oh, tout autour de moi est en train de changer. My parents, they annoy me every single day. Mes parents ils m'embêtent tous les jours. They don't leave me alone. I need my privacy. Il faut qu'ils me laissent tout seul, j'ai besoin de mon côté privé. I didn't even know who I am anymore. I didn't even know who I am anymore. Je ne sais même plus qui je suis. And I'm so stressed out right now. Et je suis tellement stressé maintenant. I need a boyfriend. J'ai besoin d'un petit ami. Then you talk to 17-year-olds. Et ensuite, tu as ceux qui ont 17 ans. Oh, I gotta get into university. Oh, je vais rentrer à l'université. If I can just get there, then everything is gonna be okay. Si je peux y entrer, tout sera OK. You get into university. Et ensuite, tu arrives à l'université. Is everything okay? Est-ce que tout est OK? No. Non. Now you need money. Maintenant, tu as besoin d'argent. If I can just get a job, si seulement je pouvais avoir un travail, then everything's gonna be okay. Alors tout sera OK. You finally get your job, et ensuite j'ai un travail. And after 2 days, et après deux jours, you look at your boss in the face, et tu regardes déjà ton chef dans les yeux. And you look at God, et tu regardes à Dieu. Really, you gave me him? Vraiment, tu m'as donné celui-là. I hate him. Je le déteste. Je le déteste. Did I say it right? Yes. I'm going to learn French tonight. Je vais apprendre le français ce soir. And then what happens after that? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Oh, when I get married. Oh, lorsque je me marierai. Then everything is going to be okay. Alors tout sera okay. Very good, by the way. Can we thank the translator? Est-ce qu'on peut dire merci au traducteur? Awesome, great. So you get married? Alors tu te maries? And is everything okay? Est-ce que tout est okay? No. No. Let me tell you. Laisse-moi te dire. Go speak to the married people. Va parler aux gens mariés. If you're not happy single, you're not going to be happy married. Si tu n'es pas heureux célibataire, tu ne seras pas heureux marié. Correct? Correct. Those older married people doing this, yes, et correct. Tous les gens mariés maintenant font oui, c'est correct. Right? And then what? When you're 50, you just want enough money, you want to pay off the house, maybe get an investment, and then you'll be happy. Et ensuite, quand tu as 50 ans, tu veux un peu d'argent pour pouvoir terminer de te payer la dette de la maison et puis faire un investissement, et là, tout sera OK. But really, are we? Mais est-ce le cas? I don't think so. Je ne pense pas. What is this life about? De quoi il s'agit dans cette vie? I was at an airport when I was 12 years old. Quand j'avais 12 ans. And a woman came up to me. Une femme est venue vers moi. At an airport. Dans un aéroport. And she said, "Have you ever wondered why you were born this way?" Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Elle me dit, pourquoi tu es né de cette façon? Of course. Bien sûr. And she said, "Well, I know what happened." Et puis elle me dit, moi je sais ce qui s'est passé. And she said, "What happened?" Et moi je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? She said, "Well, reincarnation." Elle me dit, la réincarnation. I said, "What's that?" Et je lui dis, c'est quoi? She said, "In your previous life." Elle me dit, dans ta vie antérieure. You were a terrible boy. Tu étais un méchant garçon. And now you're being punished. Et maintenant tu es puni. And I think, what should I say to that? Do I say thank you? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui réponds? Est-ce que je dois lui dire merci? How did she find me in my previous life when I don't even have fingerprints to this life? Comment est-ce qu'elle m'a retrouvé dans mon ancienne vie si j'ai même pas des empreintes digitales dans cette vie? And she said, "But don't worry." Et puis elle me dit, mais te fais pas de soucis. Because in your next life, you'll come back like a butterfly. Parce que dans ta prochaine vie, tu reviendras comme un papillon. Like, I don't want to be a butterfly. Mais j'ai pas envie d'être un papillon. Do you know how many butterflies I've killed in my wheelchair? Tu sais combien de papillons j'ai tué dans ma chaise roulante? I don't want to be a butterfly. Je ne veux pas être un papillon. I don't know about you. Je ne sais pas toi. Not me. Mais pas moi.
You know, as I've traveled around the world, tu sais, alors que je voyage dans le, autour du monde, you know, I know that there are many people looking for hope. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent l'espérance. And I have a couple stories to share. Et j'ai quelques histoires à partager. First of all, before we do it, let me finish my testimony. Avant tout, avant de commencer, laissez-moi terminer mon témoignage. When I gave my life to Jesus was at 15. À 15 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Because I believe that Jesus died on the cross. Parce que je crois que Jésus est mort à la croix. I believe that he rose again. Je crois qu'il est ressuscité. I believe that I am a sinner. Je crois que je suis un pécheur. It's not hard to work that out. If I lie once, I'm a liar. C'est pas difficile de trouver ça. Si je mens une fois, je suis un menteur. If I sin once, I'm a sinner. Si je pêche une fois, je suis un pécheur. If I'm prideful, that's a sin. Si j'ai de la fierté, c'est un péché. If I'm jealous, that's a sin. Si je suis jaloux, c'est un péché. If I think of intimacy with a woman in my mind, that's a sin of adultery. Si je pense à de l'intimité dans ma tête avec une autre femme, c'est un péché, c'est un adultère. Don't argue with me, that's what the Bible says. Pas besoin de faire un débat, c'est la Bible qui le dit. So I knew that. Je le savais. And I knew that everyone has sin. Et je sais que tous ont péché. But what I wanted was God's plan for my life. Mais moi, ce que je voulais, c'était le plan de Dieu pour ma vie. God, if you're not going to give me arms and legs, then at least tell me how you're going to use me. Seigneur, si tu me donnes pas des bras et des jambes, au moins dis-moi comment tu vas m'utiliser. And the morning I gave my life to Jesus was a Sunday morning reading John chapter 9. Et c'était un dimanche matin quand j'ai donné ma vie à Jésus alors que je lisais Jean au chapitre 9. A blind man was seen by Jesus and the people around him. Un homme aveugle a été repéré par Jésus et les gens qui étaient autour de lui. And they asked Jesus, why was he born that way? Et puis les gens demandent à Jésus, mais pourquoi il est né comme ça? And I'm like, oh, I want to know this answer. Et là je me suis dit, ça j'ai vraiment envie de savoir. He said it was done so that the works of God would be revealed through him. Et il répond, parce que les œuvres de gloire doivent se manifester à travers lui. And he didn't sit the blind man down. Et il n'a pas rassis l'aveugle. Hey, buddy, my name is Jesus and this is the plan. Et mon ami, mon nom c'est Jésus, voici le plan. He didn't do that. Il n'a pas fait ça. He just did the plan. Il a fait le plan. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He put mud on the blind man's face. Il a mis de la terre sur le visage de cet homme. Now, if I'm blind, si je suis aveugle, and someone puts mud on my face, et quelqu'un met de la boue sur mon visage, I would stop them. Je l'arrêterai. Who are you? Qui es-tu? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? But the blind man didn't do that. Mais l'aveugle n'a pas fait ça. He trusted whatever was going on. Il faisait confiance à ce qui allait se passer. That's when I realized I need to trust that God has a plan for me. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais faire confiance que Dieu avait un plan pour ma and vie. And little did I know. Et en fait, je ne savais pas. That when you don't get a miracle, que lorsque tu n'obtiens pas un miracle, it's not the end. C'est pas la fin. When you give your life to Jesus, quand tu donnes ta vie à Jésus, you can pray for everything. Tu peux prier pour tout. You can ask for everything. Tu peux demander toute chose. We prayed that my dad would not die of cancer. On a prié pour que mon père ne meure pas du cancer. I prayed for arms and legs. J'ai prié pour des bras et des jambes. I have a pair of shoes in my closet in case God gives me arms and legs. J'ai déjà une paire de souliers dans mon armoire au cas où Dieu me donnerait des jambes un jour. I still have no limbs. J'ai toujours pas de membres. My dad died. Mon père est décédé. But he went home. Mais il est rentré à la maison. When you know where you're going, lorsque tu sais où tu vas, you can, with peace and hope, bury your father. Tu peux, avec la paix dans le cœur, enterrer ton papa. You can take your last breath. Tu peux prendre ton dernier soupir. In peace. En paix. In hope. Avec de l'espérance. Not in fear. Pas dans la peur. Not to fight to live here and get everything we can. Pas de lutter pour vivre et de faire tout ce qu'on a besoin de faire. Because we're nothing but a citizen of heaven passing through. Parce qu'on est seulement des citoyens du ciel qui traversent cette vie. This world is not my home. Ce monde n'est pas ma maison. And I have found something to live for. Et j'ai trouvé quelque chose pour quoi vivre. And I have found something to die for. Et j'ai trouvé une raison même de mourir. His name is Jesus. Son nom c'est Jésus.
And I love everyone. Et j'aime tout le monde. And I don't force anyone to change their thinking. Et puis je force personne à changer sa façon de penser. But I'm just sharing my story. Mais je partage mon histoire. Little did I know, though, at age 24, that I would speak in front of a crowd. Je ne savais pas qu'à 24 ans, j'allais parler devant une foule. And a man held up a little boy. Et puis un homme est venu avec un petit garçon. He held him up in the air. Et puis il l'a soulevé dans les airs. He had no arms. Il n'avait pas de bras. He had no legs. Il n'avait pas de jambes. And a little foot just like me. Et un petit pied comme le mien. And I'm like, oh. Et moi j'étais là, oh. He's so cute. Il est tellement chou. I'm gonna pick up French pretty quick. So I got him up on stage. Alors je l'ai pris sur scène. And he was on the platform looking up at me and I'm looking down at him. Alors il était sur la scène et il me regardait et moi je le regardais. And I can't give him a high five. Et moi je peux pas lui en donner cinq en so fait. So I put my foot on his foot. Alors j'ai mis mon pied sur son pied. And he smiled. Et il a souri. And when he smiled, everyone cried. Et quand il a souri, tout le monde a pleuré. Why? Because it was a miracle. Pourquoi? Parce que c'était un miracle. Now Daniel knows. Maintenant Daniel il sait. That if God had a plan for Nick Vujicic. Si Dieu avait un plan pour Nick Vujicic. Then God's got a plan for him. Alors Dieu a un plan pour lui aussi. And my parents hugged his parents and cried. Et mes parents ont pris ses parents dans les bras et ont pleuré. And I told his mom that when he goes to school and if he gets bullied at school, I'm coming in my wheelchair and I'm going to run them all over. Et puis j'ai dit à sa maman que lorsqu'il ira à l'école et qu'il serait harcelé, je viendrai avec ma chaise roulante et je les écraserai tous. No, that's not the Christian thing to say. Non, c'est pas vraiment chrétien de dire ça. But I went there and I spoke a quick message of love. Mais je suis allé là-bas et j'ai donné un court message sur l'amour. And he wasn't bullied after that. Et il n'a plus jamais été harcelé après cela. If I can bring si moi je peux amener the truth to one soul la vérité à une âme about their value, à propos de leur valeur, their purpose, leur but and their destiny et leur destinée in Jesus Christ, en Jésus-Christ, I don't need arms and legs. J'ai pas besoin de bras et de jambes. I need my soul restored. J'ai besoin que mon âme soit restaurée. I need to be the best husband I can be. Je dois juste être le meilleur mari que je puisse être. Not just make money. Pas seulement faire de l'argent. Not just tell my kids which college to go to. Pas seulement dire à mes enfants dans quelle université aller. But to be the best friend of my wife and the best friend of my children. Mais d'être le meilleur ami de mon épouse et le meilleur ami de mes enfants. When was the last time you told them you loved them? C'est quand la dernière fois que tu leur as dit que tu les aimais? Ready? You got 15 seconds to breathe. Tu as 15 secondes pour respirer. 10. 10. 5. 5. 4. 3. 2. 1. That's it. It's done. C'est terminé. What would you have done different? Qu'aurais-tu fait différemment? What little excuses do you have for making your life right with God? Quelles petites excuses tu as pour ne pas mettre ta vie en ordre avec Dieu? What excuses do you have to massage your stinky feet? Massage your wife's stinky feet? Quelle excuse as-tu pour ne pas masser les pieds qui sentent de ton épouse buy her flowers, ou de lui acheter des fleurs hug your mom, ou de prendre ta maman dans les bras. You know, when someone hurts you, tu sais quand quelqu'un te fait du mal it's one thing to wait for them to say sorry, c'est une chose d'attendre qu'ils te demandent pardon. Sometimes they never say sorry. Parfois ils ne demandent jamais pardon. But you can forgive before they say sorry. Mais toi tu peux choisir de pardonner avant qu'ils demandent pardon. That's the chain that's holding you back. C'est ça la chaîne qui te retient. But how? Mais comment? How do you become redeemed like that? Comment est-ce que tu peux être sauvé de cette façon? Let me tell you a couple stories. Laissez-moi vous raconter quelques histoires. I met some girls in India. J'ai rencontré quelques filles en Inde. Who were kidnapped? Qui ont été kidnappées. At age 10. Alors qu'elles avaient 10 ans. Or sold by their own mother for $700. Vendues par leur propre mère pour seulement $700. What would you tell them about hope? Qu'est-ce que tu leur dirais sur l'espérance? Just be positive. Sois positif. No. Non. I told them about Jesus. Je leur ai parlé de Jésus. And heaven. Et du ciel. And forgiveness. Et du pardon. I want to tell you a beautiful story. Laissez-moi vous raconter une merveilleuse histoire d'une restauration. These girls.
ces filles, they leave the brothels. Elles vivent. They leave. They walk away from the brothels. Et en fait, elles s'en vont de là où elles sont. Uh-huh. And they go to a Jesus rehabilitation camp. Et puis elles se rendent dans un camp qui vont les restaurer, mais qui parle de Jésus. They have one-on-one counseling. Elles ont vraiment un conseil un à un. And their heart gets healed. Et leur cœur est guéri. They get a job. Elles reçoivent un travail. And they save up money, not for a car. Et elles épargnent de l'argent, mais pas pour acheter une voiture. But they go back to the brothels and they pay a slave to then rescue them, to pay a pimp to buy a slave and rescue them out of the brothel. Mais en fait, elle retourne dans ces endroits sombres où il y a la prostitution et elle donne cet argent à un de ces hommes pour libérer une esclave. But not only that. Mais pas seulement ça. But when they go back to get them. Mais quand elle retourne pour récupérer ces esclaves, a bucket of water. Elle prend un seau d'eau avec. With a towel. Avec un linge. And they go to the house that they were once a slave in, and their former master opens the door. Et elle retourne dans la maison où ils étaient esclaves et leur ancien maître ouvre la porte. And he says, "Who are you?" Et puis il dit, mais qui es-tu? He says, "I was once your slave." Et moi, j'étais une fois ton esclave. And I've come here today. Et je suis venu aujourd'hui to tell you that I found Jesus. Pour te dire que j'ai trouvé Jésus. And he forgave me of all of my sin. Et qu'il a pardonné tous mes péchés. And he took all of my guilt. Et qu'il a pris toute ma culpabilité. And he took all of my shame. Il a pris toute ma honte. And he freed me of the chains. Et il m'a libéré des chaînes. And he helped me to forgive myself. Et il m'a aidé à me pardonner moi-même. He forgave me of all of my sin and he forgot all my sin. Il a pardonné tous mes péchés, il a oublié tous mes péchés. I am a new creation. Je suis une nouvelle création. I'm a daughter of God. Je suis une fille de Dieu. I am a princess because my Father in heaven is the King of Kings. Je suis une princesse parce que mon Père au ciel est le roi des rois. And when he forgives me, et lorsqu'il me pardonne, who am I not to forgive you? Qui suis-je pour ne pas te pardonner aussi? And I've come here today, et je suis venu ici aujourd'hui, to tell you that I forgive you, pour te dire je te pardonne, and I love you, et je t'aime, and I know heaven is real, et je sais que le ciel existe, and I know hell is real, et je sais que l'enfer existe, and I know you did really bad things to me, et je sais que tu as fait des choses très mal à moi. I don't want you to go to hell. Mais je ne veux pas que tu ailles en enfer. I want you to see Jesus. Je veux que tu vois Jésus. I want you to find what I found. Je veux que tu trouves ce que moi j'ai trouvé. Because he can change your life. Parce qu'il est capable de transformer ta vie. They say I have a bucket of water. Et ils disent, j'ai juste un seau d'eau bucket of water with a towel. Avec un linge. Can I please wash your feet? Est-ce que je peux laver tes pieds? And they do. Et elles le font. And they say, here's 700 bucks. Et puis elles amènent ces centaines de dollars. I'm taking that slave with me. Et je prends cet esclave avec moi aujourd'hui. And they come to Jesus. Et elles aussi viennent à Jésus. And they get transformed. Et elles aussi sont transformées. And they get a job. Reçoivent un travail. And they save up $700. Et elles aussi épargnent 700 dollars. And then together they go back and rescue another one and another one and another one and another. Et ces filles aussi retournent dans ces endroits sombres et sauvent une autre et encore une autre et encore une autre et encore une autre. If that is not redemption, I don't know what is. Si ça c'est pas une restauration, je ne sais pas ce que c'est. Amen. Amen. Lastly, et dernièrement, some of you think that God doesn't love you because of your sin. Et certains d'entre vous, vous pensez que Dieu ne vous aime pas à cause de vos péchés. He loves you. Il t'aime. No matter what sin you have. Peu importe le péché que tu as commis. You have a pornographic addiction. Peut-être tu as une addiction à la pornographie. He still loves you. Il t'aime quand même. You killed someone. Tu as tué quelqu'un. He still loves you. Il t'aime quand même. You can't change his love. Tu peux pas changer son amour. You hate him, you scream at him. Tu le détestes, tu cries à lui. He still loves you. Il t'aime quand même. Because God is love. Parce que Dieu est amour. It's unconditional. Inconditionnel. And there awaits a God who loves you and with open arms he waits for you. Et Dieu, il t'aime avec les bras grands ouverts et il t'attend avec les bras grands ouverts.
And I want you to know tonight that I don't know who you are. Et je veux que tu saches ce soir, je ne sais pas qui tu es. But let me tell you the second story. Mais laisse-moi te raconter la deuxième histoire. About unconditional love. Sur un amour inconditionnel. After we spoke to the brothels. Après qu'on ait parlé à ces endroits sombres, ces bordels. There was a woman in one of the homes on the floor. Il y avait une femme qui était couchée par terre, au sol. Old. Vieille. Hunched over like this. Elle était penchée de cette façon-là. And a tremor like this. Et elle tremblait de cette façon. She must have been close to 100 years old. Elle devait probablement avoir presque 100 ans. And on the back wall are all the gods that they worship. Et sur le mur, il y avait tous les dieux qu'elle adorait. Hundreds of them. Des centaines. And I started talking to her through an interpreter about Jesus. Et j'ai commencé de lui parler à travers un traducteur de Jésus. She's listening. Elle écoutait. She's hunched over. Et elle tremblait comme ça. All of a sudden, a woman walks in the house. She says, "Who are you?" Et tout d'un coup, une femme entre dans la maison. Elle dit, "Qui es-tu?" What do you want? Que veux-tu? My name is Nick, and I don't want anything. I'm just talking about Jesus. Mon nom est Nick. Je ne veux rien. Je veux juste parler de quelqu'un. Son nom c'est Jésus. God. Je ne veux pas entendre parler de ton Dieu. Get out of here. Sors d'ici. All you Western people, you talk about Jesus. Vous tous les occidentaux, vous parlez de Jésus. Let me see him. Laisse-moi le voir. Let me see his power. Laisse-moi voir sa puissance. Why do they say that? Pourquoi ils ont dit ça? Because every week they see witchcraft. Parce que chaque semaine ils voient de la magie. That's why. C'est pour ça. So she said, if your God is real, elle m'a dit, si ton Dieu est vrai, make my sister walk. Fasse en sorte que ma sœur puisse marcher à nouveau. I said, what do you mean? Et je lui dis, mais qu'est-ce she que tu veux dire? Look at her, she's old. Regarde, elle est vieille. She's weak. Elle est faible. She hasn't walked out that door for 4.5 years. Elle est jamais sortie de cette pièce durant 4 ans et demi. Pray for her. Prie pour elle. And if she walks, et si elle marche, then your God is real. Alors ton Dieu est véritable. So I said a quick prayer. Alors j'ai fait une prière courte. I said, God, just in case you're not aware of what's going on. J'ai dit, Seigneur, si jamais tu remarques pas ce qui est en train de se passer, I'm about to pray for a woman who apparently hasn't walked. Je vais bientôt prier pour une femme qui n'a plus marché. And here's the short story. Et ici, voilà la version we courte de l'histoire. On a prié. And she stopped her tremors. Et puis elle a arrêté de trembler. Her back was straight. Et son dos est devenu droit. And she could do this. Elle a commencé de pouvoir faire ce mouvement. And jump up and down. Et de sauter en haut, en bas. For the very first time. Pour la première fois. But why I share this miracle. Pourquoi je partage ce miracle. Is not because of that. C'est pas pour ça. The reason is the person who took me there. La raison, la personne qui m'a amené là-bas. Knew who she was. Savait qui était cette personne. And he didn't want to tell me who she was. Et il ne voulait pas me dire qui elle était. When we went back to the hotel. Quand on est retourné à l'hôtel. He told me who she was. Il m'a raconté qui elle était. I said, who was she? Et je lui ai dit, mais qui était-ce? He said, the woman who walked tonight. Il m'a dit, la femme qui a marché ce soir. Was the woman who began human trafficking in our city in the 1960s. C'est la femme qui a démarré le trafic humain dans les années 60. She is the boss. Elle est la patronne. Of all the bosses. De toutes les patronnes. She is responsible for 40,000 slaves. Elle est responsable de plus de 40 000 esclaves. Destroying lives. Détruisant des vies. Talk about evil. On peut parler de mal ici. But God's gracious hand reached out to her and healed her while she was still a sinner. Mais la main pleine de grâce de Dieu s'est étendue vers elle et l'a guérie alors qu'elle était encore pécheresse. Jesus died while we were still sinning. Jésus est mort alors qu'on était encore en train de pécher. That is the unconditional love of God. C'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. Sickness and pain and death did not come from God. La maladie, la douleur ne vient pas de Dieu. It came from Satan. Ça vient de Satan. Well, then why did God let Satan in the Garden of Eden? Mais alors pourquoi Dieu il a laissé entrer le diable dans le jardin d'Éden? Good question. Bonne question. It's not unfair. C'est pas injuste. How unfair God would be if he told Adam and Eve that I gave you free choice, but all they hear is God's voice. Combien injuste serait que Dieu donne le libre arbitre à Adam et à Ève, mais la seule voix qu'ils entendent, c'est celle de Dieu. That would be unfair. Ça, ce serait injuste. But he gave us free choice. Mais il nous a donné le libre arbitre, le choix. God spoke. Dieu a parlé. Satan spoke. Satan a parlé. And they believe Satan.
Et ils ont cru Satan. And one day, et un jour, God will fold up and open up the earth sky. Et un jour, Dieu va ouvrir la terre et le ciel. So that we go home. Pour qu'on puisse rentrer à la maison. Jesus is coming when? Quand c'est que Jésus vient? When he gave everyone the same chance of Adam and Eve. Lorsque tout le monde aura eu la même chance que Adam et Ève. If you believe in Jesus, si tu crois en Jésus, and you hear about Jesus, et que tu entends à propos de you Jésus, say yes, tu dis oui, or no, ou non. Tomorrow is not promised. Demain, c'est pas une promesse. And the Bible says very clearly, et la Bible dit très clairement, that when all people on earth have heard about God, lorsque toute personne sur terre aura entendu à propos de Dieu and heard the gospel of Jesus, et aura entendu l'évangile de Jésus-Christ, that's when we're going home. C'est à ce moment-là qu'on rentre à la maison. I don't know what happens with people who are born who never hear about Jesus, but God, that is his job. Je ne sais pas ce qui va se passer avec des gens qui n'auront jamais entendu parler de Jésus, mais ça, c'est le travail de Dieu. I want you in heaven. Mais je veux que tu sois au ciel. I want you to go to sleep tonight to know where you're going if you don't wake up. J'aimerais que ce soir, alors que tu te couches, tu saches où tu vas. Peut-être que tu ne te réveilleras jamais. Because there's nothing greater of that feeling. There's not, no greater feeling than that. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que le sentiment, que ce sentiment-là. Do you have peace? Avoir la paix. Do you know the love of God? Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Tonight I want to give you an opportunity. Ce soir, j'aimerais te donner une opportunité. To say a prayer. De faire une prière. To say yes, God. De dire oui, Dieu. Come into my life. Viens dans ma vie. Forgive me of my sin. Pardonne mes péchés. I don't want my plan. Je veux pas mes propres plans. I want your plan. Je veux tes plans. I want your strength. Je veux ta force. Wisdom. Sagesse. Power. Puissance. I want to live forever. J'ai envie de vivre pour toujours. It's not about you becoming perfect. Il s'agit pas de toi qui deviendrait parfait. After a prayer. Après une prière. After this prayer, this is the beginning of the journey. Après cette prière, c'est seulement le début du voyage. And let me tell you. Et laisse-moi te dire. You can ask my wife. Tu peux demander à mon épouse. Is Nick still on his journey? Est-ce que Nick il est encore dans son voyage? Is God still working in him? Est-ce que Dieu travaille encore dans sa vie? Yes. Oui. Is Nick perfect? Est-ce que Nick est parfait? No. Non. Never will be. Et ne le sera jamais. But when you have these lies taking you this way. Mais quand les mensonges te prennent de cette façon. Don't listen to these lies. Ne n'écoutez pas ces mensonges. You can say, you know what, to the darkness and principalities of darkness. Tu sais ce que tu peux dire aux ténèbres et aux principautés des ténèbres? You can talk to the foot because the ears ain't listening. Tu peux parler aux pieds parce que les oreilles n'entendent pas. Get beneath me, Satan. Va sous mes pieds, Satan. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And turn your back on the lies. Et tourne ton dos à ces mensonges. And let the truth set you free. Et la vérité te rendra libre. Hallelujah. Hallelujah. God is not a God who's waiting for you to make a mistake and then zap you with lightning. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui attend la moindre erreur de ta part pour t'envoyer un coup de foudre. When you fall, quand tu tombes, he'll pick you up. Il te relève. Do you know him? Est-ce que tu le connais? Tonight, if you do not know him, I want to lead you in a prayer. Ce soir, si tu ne le connais pas, j'aimerais te conduire dans une prière. If you already have an active relationship with Jesus, si tu as déjà une relation active avec Jésus, then don't stand up. Alors ne te lève pas. But if you know you do not have an active relationship with Jesus, in a moment I'm going to ask you to stand where you are. Mais si tu sais que tu n'as pas une relation active avec Dieu, je vais bientôt te demander de te lever là où tu es. And don't worry, no cameras are going to go on you. Et ne t'en fais pas, il y a personne qui va te prendre en photo. Don't worry, I'm not going to lay hands on you. Ne t'en fais pas, je vais pas poser mes mains sur toi. But if you cannot if you cannot stand up for your faith in a moment like this, si tu peux pas te tenir debout pour ta foi dans un moment comme celui-là, in a venue like this, dans un lieu comme celui-ci, if you can't stand up here for your faith, then how do you expect to stand up for your faith out there? Si tu peux pas te lever ici pour ta foi, comment tu pourrais t'attendre à pouvoir te tenir debout pour ta foi à l'extérieur? Some of you go to church. Certains d'entre vous, vous allez à l'église. God's never going to ask you, did you go to church? Dieu va jamais te demander, est-ce que tu es allé à l'église? He's never going to ask you, did you give money? Il va jamais te demander, est-ce que tu as donné assez d'argent? No. Non. A wonderful illustration. Une magnifique illustration. Is at the end of my life.
c'est à la fin de ma vie. God sits as the judge. Dieu est assis comme un juge. I stand in front of the judge. Je me tiens devant le juge. And I have an accuser. Et j'ai un accusateur. God, Dieu, Satan says. Satan dit. God, Nicholas Vujicic. Dieu, Nick Vujicic. He's a sinner. C'est un pécheur. And he goes through all of my sin. Et ensuite, il se rend vers tous mes péchés. But then I have Jesus who stands next to me. Mais là, j'ai Jésus qui se tient à côté de moi. And he says, Father. Et il dit, Père. Yeah. Oui. He sinned. C'est vrai, il a péché. A lot. Beaucoup. But. Mais. At 15. Mais quand il a eu 15 ans. He committed his life. Il a donné sa vie. He believed that you sent me to die for those sins. Il a cru que tu m'as envoyé pour payer pour he ses péchés. That I rose again. Il croit que je suis ressuscité. And he lived for the kingdom. Et il a commencé de vivre pour le royaume. His sin is forgiven. Ses péchés sont pardonnés. And God says, et Dieu dit, welcome home. Bienvenue à la maison. I can't wait to go home. Je me réjouis tellement de rentrer à la maison. It's going to be a great day. Ça va être un jour incroyable. But until that day, mais jusqu'à ce jour, I'm here. Je suis là. To populate heaven. Pour peupler le ciel. To stand in front of the gates of hell and redirect traffic. Pour me tenir juste devant les portes de l'enfer et dévier le trafic. And you don't need arms and legs for that. Et tu n'as pas besoin de bras et de jambes pour faire ça. Just the Holy Spirit. Seulement le Saint-Esprit. So right now, alors maintenant, right now, maintenant, if you know, si tu sais that you need to make your life right with Jesus, que tu dois mettre ta vie en ordre avec Jésus, stand to your feet now. Lève-toi sur tes pieds if maintenant. You see someone standing, si tu vois quelqu'un te lever, just clap. Applaudis-le. If you see someone standing, si tu vois quelqu'un debout, applaudis-le. Stand right now. Lève-toi maintenant. As many, il y en a beaucoup. Keep standing. Reste debout. How long will you try to figure your own life out? Combien de temps tu vas essayer de te comprendre toi-même? You finally get something you wanted and you figured out it's not what you need. Tu as peut-être obtenu ce que tu voulais et tu as réalisé c'est pas ce dont tu as besoin. How long will you be looking? Combien de temps tu vas chercher encore? How long will you run? Combien de temps tu vas courir? Stop running. Arrête de courir. And look up. Et lève tes yeux. This is the last and final call. C'est le dernier appel. If you have not stood up yet, si tu ne t'es pas levé jusqu'à maintenant, stand to your feet now. Lève-toi sur tes pieds maintenant. And I will lead you in a prayer. Et je vais te conduire dans une prière. That begins your relationship with God. Qui va démarrer ta relation avec Dieu. Is there anyone else left? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? If you see someone standing, clap so I know that someone stood. S'il y en a d'autres qui se lèvent, applaudissez-les pour que je sache que d'autres there's personnes another se lèvent. One. Il y a une nouvelle personne. Two, deux, three. Trois. Come on. Super. Stand up. Lève-toi. That's it. C'est exactement. Stand up. Lève-toi. Maybe you don't want to stand on your own. Peut-être que tu n'as pas envie de te lever tout seul. Then ask the person sitting next to you, hey, I want to stand up, I want to say that prayer, but I don't want to say that prayer alone, I don't want to stand up alone, can you stand up with me? Alors demande à la personne qui est à côté de toi, tu sais, j'aimerais me lever, mais j'aimerais pas me lever tout seul, est-ce que tu es d'accord de te lever avec moi et de faire cette prière avec moi? This is the last call, stand. Ça c'est le dernier appel, lève-toi. With someone if not alone. Si tu veux pas le faire tout seul, fais-le avec quelqu'un. There we are. Voilà.
There we are. Super. That's it. Exactement. Let's bow our heads in prayer as we are. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et faire une prière? I'm going to first just say a prayer. Je vais juste faire une prière. Dear Lord God, we come before you tonight. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce soir. And we thank you. Et on te remercie. For these people who are standing. Pour les gens qui sont debout. Bless them. Bénis-les. Strengthen them. Fortifie-les. Give them faith. Donne-leur la foi. Lord God, we come before you and we thank you for your plan for them. Seigneur Dieu, on vient devant toi et on te remercie pour tes plans pour leur vie. Thank you that tonight they will never forget. Merci parce qu'ils n'oublieront jamais cette soirée. Thank you God. Merci Dieu. Bless their families. Parce que tu bénis leurs familles. Bless their friends. Leurs amis. Lord, Seigneur, we speak against every power and principality of darkness. On parle contre toutes les puissances et les principautés des ténèbres. We say in the name of Jesus, be gone. Et on ordonne au nom de Jésus, partez. Father, thank you. Père, merci. For life. Pour la vie. Thank you for heaven. Pour le ciel. And thank you for salvation. Et merci pour le salut. If you're standing, please repeat after me. Si tu es debout là, répète après moi. Dear God. Cher Dieu. Come into my life. Viens dans ma vie. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. Of all of my sin. De tous mes péchés. Thank you, God. Merci, Seigneur. For your love. Pour ton amour. That's unconditional. Qui est inconditionnel. Change me, God. Change-moi, Seigneur. And fill me with your Holy Spirit. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. For dying on the cross. D'être mort à la croix pour moi. For my sins. Pour mes péchés. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. That you rose again. Parce que tu es ressuscité. I want to live for you. Je veux vivre pour toi. I do not want to sin anymore. Je ne veux plus pécher dorénavant. I know I won't be perfect. J'ai envie d'être parfait. But I want to live for you. Mais j'ai envie de vivre pour toi. So help me. Alors aide-moi. Day by day. Jour après jour. Teach me. Enseigne-moi. How to pray. Comment prier. Show me. Montre-moi. How you want me to live. Comment tu veux que je vive. And teach me how to read scriptures. Et enseigne-moi comment lire les écritures. And to know you as my friend. Et de te connaître comme mon ami. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. For your wisdom. Pour ta sagesse. And guidance. Et de me conduire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I pray. Je prie. Amen. Amen. Before you sit down, avant que tu t'asseyes, I just want to tell you that 2 weeks after I said that prayer, j'aimerais te dire que 2 semaines après que j'ai fait cette prière, I was angry at myself. J'étais en colère contre moi. Because I'm not perfect. Parce que je n'étais pas parfait. I'm supposed to be a Christian. Et je suis supposé être chrétien. I want you to know first of all. J'aimerais que tu saches avant tout. That you won't be perfect. Que tu ne seras pas parfait. But day by day, God's going to help you. Mais jour après jour, Dieu va t'aider. It's a journey. C'est un voyage. If you don't have a local church. Si tu n'as pas une église locale. Find a local church. Trouve une église locale. And I also want to say this. J'ai aussi envie de dire la chose suivante. That we have some amazing people here. On a des gens incroyables ici au milieu de nous. That if you would like to pray with anyone. Et si tu as envie de prier avec quelqu'un. About anything. Sur quoi que ce soit. Tell us. Dis-le-nous. If you need anything. Si tu as besoin de quoi que ce soit. You maybe don't have a safe home to go to. Peut-être que tu n'as pas un endroit sûr où aller. Just tell someone. Dis-le à quelqu'un ici. At the tables at the back. Il y a des tables au fond, des points bleus. Et qui vont vous aider à vous qui avez fait cette prière. Maybe you didn't even stand up. Peut-être que tu ne t'es même pas levé. But you did exactly what these people did. Mais tu as fait exactement ce que ces gens Meet ont fait. The team at the back. Va rencontrer ces gens qui se trouvent à ces points bleus. And we want to give you a free French or German or English
translation of the book of John, which is a small portion of the Bible. Et on aimerait te donner une copie de l'Évangile de Jean en allemand, en français ou en anglais, qui est une petite partie de la Bible. Because it's easy to read. Parce que c'est facile à lire. And as you read that, et alors que tu vas le lire, God will give you faith. Dieu va te donner la foi. I love you so much. Je t'aime, je vous aime tellement. And I want you to know that when God forgives, et j'aimerais que tu saches que lorsque Dieu pardonne, do you know what the Bible says? Tu sais ce que la Bible dit? He didn't just forgive the boss of the bosses of the sex slaves. Il a pas seulement pardonné à la patronne des esclaves sexuels. He didn't just forgive Nick Vujicic. Il a pas seulement pardonné Nick Vujicic. And he didn't just forgive you. Et il ne t'a pas seulement pardonné toi. He forgave us of all of our sins when we ask him for forgiveness, and he forgets all of our sins. Il nous a pardonné de tous nos péchés quand on lui a demandé pardon, et il a oublié tous nos péchés. It's done. C'est terminé. It's finished. C'est terminé. You are a brand new person. Tu es une toute nouvelle personne. And he will be with you. Et il sera avec toi. Every day of your life. Tous les jours de ta vie. Let's give God a shout of praise one more time. Est-ce qu'on peut donner un cri de joie au Seigneur ce soir? If you can we all stand? Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble pour ceux qui le peuvent? Would you like to pray for Switzerland? Est-ce que vous désirez prier pour la Suisse? First of all, if anyone here has pain in their body or sickness or a disease or something wrong with your body, raise your hand that we may pray for healing. Avant tout, si quelqu'un ici a une maladie dans son corps ou des douleurs où que ce soit, lève ta main. In the name of Jesus, au nom de Jésus, the healer, la guérison. Father, we thank you. Père, on te remercie. In the name of Jesus, we can pray for healing right now. Parce que dans le nom de Jésus, on peut prier pour la guérison maintenant. Every pain, chaque douleur, every sickness, chaque maladie, every cancer, chaque cancer, every part of our body, chaque partie de nos corps. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, be healed. Sois guéri right now. Maintenant. In this moment, dans ce moment, we pray for your healing power. Nous prions pour ta puissance de guérison. Thank you, God. Merci, Seigneur. Hallelujah. Amen. Amen. Everyone, let's chacun now pray ici for Switzerland. Prions pour la Suisse. In the name of Jesus, Father, we thank you for Switzerland. Au nom de Jésus, Seigneur, on te remercie pour la Suisse. We pray for the government. On prie pour le gouvernement. The school system. Pour le système d'éducation. And the churches. Pour les églises. And every other part of this country. Et toutes les autres parties de ce pays. We pray for depression to be gone. On ordonne à la dépression de partir. We pray for bullying in schools to stop. On prie pour que le harcèlement dans les écoles cesse. Father, you know all the things happening in our country. Seigneur, tu connais toutes choses qui se passent dans ce pays. And we pray in the name of Jesus. Et nous prions dans le nom de Jésus. That many, many, many of Switzerland would be saved. Que beaucoup, beaucoup, beaucoup en Suisse encore vont être sauvés. Thank you that tonight happened because of prayer. Merci parce que cette soirée a pu exister à cause de la prière. And tonight we pray for a future harvest of Switzerland. Et ce soir on prie pour une future moisson en Suisse. Thank you, Jesus. Merci Jésus. You are the King of Kings. Tu es le roi des rois. You are the Lord of Lords. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Help us to know you. Aide-nous à te connaître. Help us to be filled by your Holy Spirit. Aide-nous à être remplis par ton Saint-Esprit. And teach us. Et enseigne-nous. To feed ourselves. De nous nourrir. Not just to be uplifted at a church, pas seulement d'avoir un bon moment dans une église, but to talk with you, mais de parler avec toi, to walk with you, de marcher avec toi. In Jesus name, dans le nom de Jésus, we pray. Nous prions. Amen. Amen. So two things. Deux choses. Before you leave. Avant que tu partes. Again, if you gave your life to Jesus tonight with that prayer. Si tu as donné ta vie à Jésus ce soir en faisant cette prière. This is the beginning of that journey. C'est le début de ton voyage. Go and find the tables at the back. Va vers les tables qui se trouvent derrière. Talk with someone if you want. Parle avec un conseiller.
But actually, what we want to do tonight, mais ce qu'on veut faire ce soir, is make sure that we are the best stewards of what happened tonight. C'est qu'on puisse tirer le meilleur parti de ce qui s'est passé ce soir. If you gave your life to Jesus, si tu as donné ta vie à Jésus, we want to call you. On aimerait t'appeler. We want to email you. On aimerait t'envoyer un email. So please, when you go to the table, fill out a card. Alors s'il te plaît, quand tu te rends à ces tables, remplis cette carte. Because if I did not believe in the power of prayer, parce que si je ne croyais pas dans la puissance de la prière, I wouldn't pray. Je ne prierai pas. But because I believe in the power of prayer, mais parce que je crois dans la puissance de la prière, I encourage you to give your details to them so then they can call you and ask what can we pray for you and your family for. Je t'encourage à leur donner tous tes détails, des informations afin qu'ils puissent te contacter et s'occuper de toi. Lastly, if you got a compassion child, et si tu as pris un dossier pour parrainer un enfant chez Compassion, remember to register at their tables. N'oublie pas de remplir le dossier et de l'amener au stand de Compassion. Et je crois qu'une bonne chose, c'est qu'on puisse chanter un dernier chant ensemble. Switzerland. Suisse. Bien. Bien. I love you. Je vous aime. There is something very special about you. Il y a quelque chose de très spécial à God propos de heard vous. Your prayers. Dieu a entendu vos prières. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God strengthen you. Que Dieu vous donne la force. I will continue to pray for Switzerland. Je vais continuer de prier pour la Suisse. And probably come over the years back here. Et dans quelques années, je vais revenir ici. We don't know how. On ne sait pas comment. We don't know when. On ne sait pas exactement quand. Maybe it's through the education system. Peut-être pour faire quelque chose au niveau du système d'éducation. Maybe it's through the government. Peut-être au travers du gouvernement. Maybe it's on TV. Peut-être à la télé. But the next time we do a preaching, mais la prochaine fois qu'on prêche, may it be 40,000 people in the stadium. Que ce soit 40,000 personnes qui se trouvent dans un stade. You believe that with me? Est-ce que vous croyez ça avec moi? So right now with the band coming up, et maintenant alors que le groupe nous rejoint, come up and let's sing a song. Ils vont venir chanter un chant. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. And your ministry. Et votre ministère. What song are we singing? Quel chant on va chanter? I'm gonna stand on the rock. We're gonna stand on the rock. All right. We're gonna stand on the rock. Hallelujah. Hallelujah. Bien, thank you and good night. Bien, merci et bonne soirée. God bless you. Que Dieu vous bénisse.